c'est Aubin Moudouma. Je suis Gaël au Moulin Rouge à Québéville, dans mon quartier. Mais ici, je viens m'adresser aux populations de Gaël au Moulin Rouge et les populations d'Aquébéville. C'est vraiment dommage et c'est vraiment triste parce que ce type de comportement-là, la restauration des institutions, la restauration ne se limite pas seulement aux institutions, mais à nos mentalités aussi. Comment est-ce possible que les autorités compétentes actuelles, donc le CTRI, le président de la République, nous ont déjà posé la pancarte du passage du béton dans Aquébéville. On a posé la pancarte même à l'entrée du Moulin Rouge. Mais regardons un peu ce que les habitants du Moulin Rouge font. Regardez, hein, c'est tout neuf, hein, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont déjà vu la pancarte. Hein. Quelqu'un laisse sa barrière, il sort de sa barrière. Mais il vient construire sur la voie publique. En ayant vu déjà la pancarte. Regardez vous-même. Hein. Regardez vous-même. Mais ça, ce n'est pas défier l'État. Eh bien, ce sont eux maintenant le président. Parce que on pleure le développement, mais on fait encore la sorcellerie contre le développement. Mais c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Vraiment, il faut restaurer vos mentalités. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, c'est comme si que c'était vous maintenant. Eh bien, il y a maintenant combien de présidents dans ce pays-là? Donc, les autorités compétentes nous font rentrer le développement. Vous vous dites non au développement. Mais vraiment, 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 je prie et je souhaite vraiment que quand ils vont attaquer tout ça là, on va bien casser ça parce que vous êtes sur la voie publique. Vous laissez votre concession, les gens laissent leur concession, leur barrière, et voilà. Regardez. Regardez vous-même. Quelqu'un sort de sa barrière, mais il dit qu'il vient construire sur la voie publique. Mais ça, si ce n'est pas de la sorcellerie, comment est-ce que l'on peut appeler ça? Si ce n'est pas les anti-développements, comment est-ce qu'on peut encore appeler ça? Regardez. Nous sommes derrière le Moulin Rouge. Regardez des choses comme ça. Regardez vous-même. Regardez. Comment la voie ne va pas se rétrécir avec des types de comportements comme ça? Et ça, ils s'en foutent, ils n'ont pas besoin de l'autorisation de l'État, non, rien à cirer. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et bon week-end à tous. Mais, rappelez-vous bien que c'est enfin notre essor vers la félicité et honneur et fidélité à la patrie. Je vous remercie.